Les deux suspects sont tous les deux de l'Érythrée. Ils vivent dans un centre d'asile dans la ville d'Arboga. Pour le moment, nous ne savons rien de la relation entre eux. L'arme qui a été utilisée lors de l'attaque est un couteau. À l'heure actuelle, nous avons arrêté une personne soupçonnée de meurtre et suivant des renseignements obtenus par la police hier, nous avons décidé d'arrêter une autre personne pour suspicion de meurtre. Il est en ce moment à l'hôpital de Västerås et n'a pas encore été interrogé en raison de ses blessures.